comment tu définirais le jeu d'acteur? Comment pour toi, enfin, c'est quoi tu penses entre un bon acteur et un mauvais acteur? Mais en fait, genre, c'est tellement difficile d'approcher la définition du jeu d'acteur, tu vois, et de ce que tu dois faire un bon acteur. En fait, il y a plusieurs écoles, tu vois. Genre, il y a toute une école, je sais pas si tu connais un petit peu, genre, Acteur Studio, tout ça. Tu vois, tous les gens qui disent, en gros, il faut que tu reprennes dans toi ce que tu as vécu, il faut vraiment que tu ressentes le truc à fond. Les gens, parfois, pour des tournages, par exemple, ils doivent jouer quelqu'un de malade ou quoi, ils vont se rendre vraiment malade dans la vraie vie pour le jouer, tu vois. Ça, franchement. Je pense pas que ce soit un bon délire parce que le jeu où tu vas jouer en série, tu vas pas tous les temps tuer des gens tu vois, pour jouer ton truc, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont se conditionner dans la vraie vie, ils vont être dans le mal parce que pour leur rôle, tu vois. Et après, il y a des gens pas du tout, il y a des gens, ils vont juste. En fait, je pense que ouais, pour bien jouer, il faut juste vivre le tout dans l'instant présent, tu vois. Et tu le vis effectivement comme si ça t'arrivait à toi, mais vraiment en cherchant une émotion vraie et pas en cherchant à imiter, tu sais, si on dit joue la peur. Tu sais, je pense qu'il faut pas que tu fasses genre. Tu fais ça en mode. Tu dois imiter la J'ai compris peur. nous d'ailleurs, c'est ça que je veux la faire. Ah, ça te fait ou pas? Ça fait. Ah, Super, c'est hyper au super. revoir. Et ouais, je pense vraiment qu'il faut essayer de chercher au plus profond de toi, genre le sentiment de peur que tu as pu vivre n'importe quand, tu vois. Mais bon, t'avais 4 ans, tu peux te souvenir d'un truc où t'as eu peur, et tu essaies de faire sortir ça à la surface. Enfin, mais ouais, c'est tellement. Mais après, c'est tellement chaud parce que quand on. Parce que ça va faire entre le moment où on dit action et cut. Ouais. Donc, faire sortir cette émission-là dans un court laps de temps et ensuite recommencer. Parce Ouais. que putain, le nombre de fois où il retourne la même scène. Avec les émotions et Ouais, tout. enfin c'est super dur. Franchement, j'ai fait des courts-métrages où je devais pleurer comme jamais, où je vais être dans un sale état. Et ben, je peux dire, toute la journée, t'es dans le mal, parce que du coup, Même à chaque après. fois, ouais, mais franchement, après, parfois, t'as du temps un petit peu pour te calmer, tu dis, ok, c'est fini. Mais tu sais, quand tu passes la journée à pleurer sur un plateau, à chaque fois, couper, tu restes un petit peu dans l'émotion, parce que si tu te mets à rigoler, c'est fini, tu vois. Réaction. Je fais comme ça, c'est hyper dur, tu vois. Mais du coup, c'est vachement intéressant, parce que t'es obligé de te taquer tout le temps, tu vois. Et c'est vrai que les acteurs sont vachement chauds pour faire ça. Je sais pas si t'as vu le dernier. Tu as vu le dernier Joker? Oh, pas encore, Enfin, moi, j'avoue. Mais j'ai pas encore vu, mais je vais aller le il a l'air voir. incroyable. Ouais, de ouf. Et là, pour le coup, là, tu vois, c'est typiquement l'acteur qui s'est mis dans la peau du personnage Ouais. à fond. Il y a même une scène qui a été sortie par Jimmy Kimmel ou je sais pas quoi, une sorte de scène une sorte de making-of, tu vois. En fait, tu vois l'acteur, il est dans son rôle et t'as un gars qui se fout un peu de sa gueule et le mec, il continue à jouer. Pas lui parler, mais comme si c'était Joker, tu vois. Mais voilà, c'est les mecs qui se mettent dans le mal, comme tu dis, pendant un laps de temps, et après ils ressortent de ça.